Tiens, il y a présidence. Au monde. Donc, Bazako Sala, Bah, signe à Mikeboy, mais la conséquence est le plus grave. Pour dire combien crise de confiance est Zali. Combien Bazako Kalamala Mouté. J'ai suivi M. Chilombo, tant que j'ai député de l'Union Sacrée. Linga Lili Bango. Mais bien avant, ils allaient me menacer. Mais Bolobaki Bala Bosembo, Azui majorité. Quand moi, Prince Peng, je viens ici, je vous dis de quoi je majorité Bazokango, Nassima Maponomi. Quand le peuple congolais a décidé qu'il est 30 décembre 2018, à l'obi a pesti faillu l'ungwende à Kibokonsi. A tindin de Kochilombo na opposition yena Shadari. Wane senga ki ba respecter volonté à peuple l'enge yiwana. Tango Félix na Kabila ba kouta na kingakati ba bongiso ya bango volonté. Ma ye makoyana simanyo se keza lobe lukuta. Boko mo na ote keza ko oumela ba investisse et sami la ministre ba koti. Mais tout ça, il n'y a que le fruit de la fraude. Et le fruit de la fraude, tôt ou tard, on finit par payer. Mais ce qui est mon conseil, c'est que je suis mon majorité, on a bengi bandeko. Il y a tata, il y a un peu de temps, il a rappelé par moi l'ordre. Est-ce que c'est un péché ça? Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous, tant que vous êtes au Manabino, et l'Union Sacrée, Zali, un conglomérat de mercenaires, on vous avait dit. On a acheté un député. Député la Bissou Adosso Nobas, c'est assimé, vous a dit. Bah, il y a $18,000, Yango. Député a fallu, il y a 14 000 Aboui. Bah, il y a bon de commande, il y a Jeep. Jeep a combien? $80,000. Signé. Bah, Pelé Vezali. Au signé, ah, ça, il y a comment assimé à Félix. Mbongo Yango. Jeep Yango. Signé, comment assimé à Félix. Mais Mouto, il y a un bon Mbongo Iwana. Moi, si il y a un Mbongo. Même pour l'ingoyalité, mon colombo a gesté la cosane. Mon colombo a gesté la cosane. Il y a un moment où il y a des députés qui ont chantage. Maintenant, conséquence, c'est que tout n'a pas de conséquence. Conséquence, c'est que tout est fait. Mon colombo a corrompu les députés et que vous avez poché à Félix. Félix est un azur et bon gars. Vital Kamara, le bakini. A financé une campagne, il y a Félix dans mon colombo et à moi, Sinaï. Ça veut dire que Félix a tiré 500, 1 million de dollars dans la poche de ton colombo président. Mbongo azali ko zwa pona ko pesa ba député ne ko uta iko uta kesa l'état et bongo soki mbongo ko uta kesa l'état c'est que yali mbongo nani mbongo senga ko futa ba militaire mbongo senga ko futa ba policier mbongo senga ko futa ba professeur d'université ba enseignant. Le président de la République n'a pas forcément besoin de mettre la main dans les trésors publics parce qu'en tant que président de la République il a aussi des dotations spéciales au lieu d'origine. Vous savez ça dans un état démocratique ou qui se veut démocratique dans un état transparent parce que la démocratie veut dire sur la transparence. Il y a un monde qui pourquoi il y a un monde qui va porter seulement il faut aller au service qui est en train. Mais pendant que tu exerces le pouvoir, tu peux avoir des dotations. On a eu bien voté. D'ailleurs, c'est pourquoi, par le bipé, si un mandat na yo. Ok, Félix a continué à pouvoir. De ce n'est pas qu'il y a un dakomoko. Et puis, il y a un baba en dakomoko. Moukoula kolonga pouvoir botounaï. A quoi un dakoboni. Et putain, tu montes à Saliango. Est-ce que tu as salé à Félix? C'est comme Naomi Balé, Mabé. Non. Comme il se tient président de la République, non? Il a un salaire. Il a des avantages. Oui, salé à Félix, c'est là combien? Yo et bien go. Non mais yo a journaliste il faut que bango. Non non, il n'a jamais communiqué ça. Mon bête le bête c'est que vous voyez salaire. Il n'a jamais communiqué. Non, c'est pas lui de communiquer. C'est une obligation qui est faite, c'est la loi qui dit. Oui. Et c'est que vous voyez salaire mon konambok. Salaire y a enseignant vous voyez professeur vous voyez bango. Salaire y a enseignant école primaire vous voyez bango. Salaire y a dit fulumi infirmier vous voyez bango. Salaire mon ganga docteur vous voyez bango. Bango tu vas venir. Dépendant de l'État, basé à l'État. Qui est censé communiquer les salaires du chef de l'État? C'est la Cour des comptes. Mais c'est ce que je vous dis. Alors, c'est la loi d'obligation. Est-ce que la Cour des comptes a communiqué mais pour vous dire que toi, en fait, toi, un État escroc.
tana oba ko benga Tesco ba salaire ya batu nyoso ngeto e bango. OK, même salaire ya député e bango concluer ils ont les visibles et les invisibles. Non, oui, bien, bien. Non, na bi salaire na bi avantage o tete. Oui, là on va benga salaire, on va benga rémunération. Mais je vous dis les zoba na kata Congo ya des peuples. Parce que nous tous, nous venons ici, tu causes, Andimi. Tu devais être en possession aussi de ces éléments pour nous les communiquer. Pour vous dire, je peux vous dire que le salaire présent à l'Assemblée nationale, ils ont environ 40 000 dollars par mois. Environ? Oui. Donc je vais tenter de tâtonner, tu n'es pas sûr. Je vous dis, français, tant qu'on veut aux environs, il y a une marge, non? J'ai dit aux environs de 40 000 dollars par mois. Mais un salaire n'a jamais été aux environs. C'est connu, c'est précis. Pour vous dire que nous sommes dans un état escroc, il s'arrange pour que toutes les données soient opaques. Très bien. Alors, j'ai rien à te dire pour Nabisso, pour le peuple congolais, ils ont le coup gouvernement Bimaki. Le peuple est indifférent. Parce qu'il ne voit pas ce que ce gouvernement va faire. Samalukonde a la trace de Lukamba. Samalukonde marche sur les traces de Lukamba. Et Lukamba arrive et trouve. Félix a improvisé un programme de 100 jours. Félix s'est approprié de toutes les prérogatives ordinaires et extraordinaires du Premier ministre. Et Samuel Kond arrive, Félix a déjà improvisé, a anticipé avec un mini-programme qu'il appelle Selengelo. Soit disant partenaire privé-public, mais l'argent viendra toujours de l'État. Le public, le privé avance, mais c'est l'État qui va devoir donner. Il arrive, il trouve les réserves d'échange. De 1 milliard que Kabila a laissé, nous sommes à 500 millions de dollars. Kabila a laissé 1 milliard de réserves d'échange. Tout comme il y a 600, tout comme il y a 500 000. Il arrive, la présidence. Monsieur Bébé, 400 000, l'invité va chiffrer en bronze. Oui, mais ça va chiffrer en bronze. Chaque jour, il va repuiser. Il ne faut agir qu'avec cet argent. Et il arrive, il trouve que. Concluez. L'IGF et la présidence, ce sont eux maintenant qui commencent à parler de qui va avoir les contrats publics. L'IGF, là, que vous voyez, c'est une vaste escroquerie politique. Vous avez suivi le rapport de l'ODEC. Il y a une autorité de régulation des marchés publics, RMP, décidément. Vous avez suivi le rapport de l'ODEC, de l'Observatoire des dépenses publiques. Bien sûr. L'IGF a remplacé la Cour des comptes. C'est un service créé à la présidence. Tout à fait. Mais la Cour des comptes, c'est pas. C'est une institution. Une institution reconnue par la Constitution. Ouais. L'IGF, c'est pas un règlement. Mais l'IGF a le pouvoir qui s'arroge, qui est même au-dessus de ce que la Cour des comptes devrait faire. Et l'IGF peut aller. Fouiné partout. Et puis justement, à propos de la présidence, justement, Balobi a outrepassé ma prérogative naïe. Et même l'enquête, il ne devait pas par lui-même rendre ça public. Selon certains. Quand l'IGF a sali l'enquête, à me mettre en dos de vin, Auguste Kabouya, après c'est ma vie. Mais je suis politique, je vous dis. Très bien, merci de me l'IGF est un instrument politique. Ça, c'est un beau. Vous avez la publicité. Très bien. Je suis en disant. Oui. Suite définitive, oui. Vous dites que tu causes les locaux, mais le gouvernement est le combatté. Ok. Et non, mais Sama. Sama plutôt. Non, mais les deux sont pareils. Et ils ont trouvé qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État. Et la présidence est en train de prendre presque les peu d'argent qui reste. Vous avez déjà dit ça. D'où, pour Nabisso, Bakoya, les ministres qui sont là vont avoir les salaires, les minimums qu'ils puissent faire, avoir les salaires. Vous avez suivi Billy Kambal et mon frère avec qui on a travaillé ensemble là, à l'opposition à l'époque, qui vous a dit que chaque fois on prévoyait par exemple un budget de 3 millions de dollars pour son ministère d'éducation à la citoyenneté, et si les 3 millions de dollars, il ne recevait que 200 000 dollars. Je vous ai parlé ici, en 2019, le budget prévu pour le secteur agricole était de 201 millions de dollars. En tout et pour tout, le ministère de l'Agriculture n'avait reçu que 57 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 28%. Si les 201 millions de dollars, il n'avait reçu que 57 millions de dollars. Alors que pour la même année, la présidence avait fait un dépassement de 120% de son budget. Là, on avait prévu, par exemple en 2020, rien qu'au mois de novembre 2020,
on avait prévu, les prévisions étaient, si je ne me trompe pas, de 150 millions de dollars, non, 151 millions de dollars. Félix avait consommé 168 millions de dollars. Donc, la présidence dépense toujours de 120%, 130%. Mais dites-moi, pour un président qui a déclaré qu'il déclare la revanche du sol, si le sous-sol, il prenait la valorisation de la si, on a compris très bien. Maloba et pas de l'argent, puisque le secteur agricole. Il y a des problèmes, il y a des questions à se poser. Bamanaï, on n'a rien à entendre avec ce gouvernement. On a compris. De quoi Bamanaï, bonne arrivée. Vous allez placer votre mot justement sur ce que vous pensez de l'investiture d'aujourd'hui et sur les challenges ou les défis qui attendent ce nouveau gouvernement. Et aussi, revenir sur le propos que le chef de l'État a émis devant les députés, le suppliant peut-être à venir justement répondre à ces rendez-vous. Et certains ont dit que si cette plénière aura lieu, c'est parce que c'est le président qui l'a occasionné ou bien qui l'a voulu. Et ça pose problème. Ndeko Bamanaï. Merci beaucoup, Ndeko JC. Yamboya nyonso bolimbisi na bakongomani nyonso oyo bavandi liboso ya écran na bango pona kolanda moment oyo. C'est vrai que na komi na retard, mais na komi pe na retard parce que yo moko ndeko jiso benga kingai te na bengo na telephone zo likana te pena zo funde pa bakongole oyo pe bazo landa. Donc na komi malgré yango bandeko bolimbisa ngai na kopesa mbote na yo jise na kulutu kibambe chitwa na bakodebater na ngai e belesi ona lingaka mingi pe ndeko na ngai epenge. Oui, ça libongo li passe à nani à Martin Fayulu. Donc na pesi mbote na mwasi na ngai pe na bayebanso bazali kolanda biso kobosa na te kulutu kibambe chitwa kolo et media autopé plateau oyo tozali ko utiliser. Merci beaucoup ndeko juste pour na mutuna sans pour autant entrer dans beaucoup des équilibrations oyo za na tina mon côté. Nous voulons seulement rappeler eloko moko Ndeko Mozito, de triste mémoire, à l'Ekanaka na TB5, pour nous déclarer haut et fort qu'ils empêcheront les investisseurs de na mboka oyote. Ils vont tout faire pour que Nani Félix arrive sur terre. Et bino bato media beaucoup qui ko recourir na archive na boko mona yango. Donc, tu y es bien. Tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Je suis en train. Non, quand j'ai besoin de relancer, je suis en train de faire. Allez-y. Zala, le la juge, Azoyo Kamakamba avocat. Bien sûr. Alors. En fait, si je papa, suis papa, je suis Ozo ko katanga ba fil d'idée. Parmi la corrigeur journaliste, ça a juste. Andez-vous tout de suite. Kasitika continue. Allez-y, vous avez la parole. Alors. Alaka ki babilo kona bangona to yeba kite par quel mécanisme bakolekana bango moko bayebi comment ils allaient empêcher. Aujourd'hui, à notre grande surprise, tout le monde a certains quidam, notamment Mozito, Fayulu et compagnie, autres que nous tambola pour na est makambozo marcheté. Mais vous avez bino bolobi na mandat ya président Félix et loko moko ko marcheté. Mais besoin qu'on ne peut pas être ma président, puisque besoin qu'on m'abat congolais. Quand vous dites que beaucoup empêcher l'investiture, l'investisseur pardon, bah il y a awa nakatia mboka. Quand l'investisseur vient, comment investir nakatia mboka? A couper ça, monsieur, on va congolais, mon gokota va congolais, va colia. Entre mundu que zali kubomana est, nan zalana kao bino boni ko créer différences anini. Donc c'est vouloir à la fois une chose et son contraire. Je voudrais vous rappeler une chose. Si kanga ina zali kokende papa kokata. Si est non, non, faire perdre s'il vous plaît, le discours que vous reprochez à Mozito est Tien Tshisekedi l'a tenu. Je ne parle pas de Tien Tshisekedi. Les années 90, je ne parle c'est pas le même discours. Je ne parle pas. Il y aura qu'on débatte. Non, non, mais je vous recadre, c'est mon rôle. Papa, Tikanga ina si ça. Oui, oui, n'a rappelé au gars que Tshisekedi a tenu le même discours. Papa, Tikanga ina si ça. Vous avez la parole. Papa, n'a pas la parole, Tikanga. Mais ne m'empêchez pas de vous relancer. Papa, on peut poser la question après. Allez-y. Alors, et bah marche au Basalaki, cette farfelue, cette aventure au Basalaki,
Bon, ezani neza mwa base non, navandi pe mingi bazomona ngai te depuis ba beta anga lisa sina mutu tango na kana opposition batu ba monaka e marto fayu le tout ça là. Ça ce sont des aventures, ce sont des histoires à dormir debout. Maintenant, je réponds à votre question. Oyo tuni question sur l'investiture et le gouvernement. Papa, avant na lobandenge na yo ki na ndeko na nga prince e pengé, oya ya lamuka el dur ya Martin Fayulu na muzitu. Donc azako loba awa ke ilu ye sama lukonde egala ilunkamba nazo kapenda mawa mingi puisque soki to meki kozo ata analyse objective moko moke to meki kotala na gouverneur na gouvernement ya ilunkamba quels sont le mécanisme to pe ba condition nini le président de la république a travaillé ki na yango pour ndeko na biso aya ko alléguer nenga zo ko alléguer na kati ne sikoyo. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour na koloba yango. Aujourd'hui Sama Lukonde azali ko passer devant le parlement. Bako sala économie ya programme na ye, j'ose croire que dans 24 heures ou dans 48 heures le gouvernement sera investi. Donc nga naza ko rassurer que le gouvernement ne sera pas investi aujourd'hui puisque le lobazo auditionné d'abord programme il y a gouvernement et il y a ko préparer une série de réponses par rapport aux questions qui seront posées. Et je vous dis et je vous rassure, la main sur cœur ici. Premièrement, le président n'a jamais supplié les députés nationaux. Mais le président est en train d'aller dans le sens d'amener tout le monde à regarder l'intérêt supérieur de la nation. Et pour ce faire, il n'a pas besoin d'utiliser la brutalité. Il y a une méthodologie, il y a une façon de faire les choses. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est politiquement mal éduqué pour qu'il ne commence pas à députer. Puisque nous avons ce qu'on appelle les trois pouvoirs traditionnels prônés par Montesquieu, qui est le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Quand bien même que exécutif n'a plus son Congo, il a bicéphale. Donc, Ezaline Amitoumi Balé, où nous avons d'un côté le président de la République et le premier ministre qui est le chef. Vous étiez arrivé en retard, M. Bélé, si avait dit quelque chose d'intéressant. Il dit ils ont l'accès que la majorité là. Est constitué, si vous voulez, des électeurs libres qui ne donnent caution aux paroles du président de la République. D'autant plus que Moussa, le président Sali, pendant le week-end et le jour de, et bien avant cela, pour n'a qu'au requinquer ou bien qu'au mobiliser, qu'au sensibiliser majorité, il aurait dû laisser ça au chef des regroupements politiques. Il y a majorité, naé. Ça montre que le chef des regroupements politiques n'ont plus d'emprise sur. Le député et comme Moussa là président et puis sous d'autres siècles ce serait vraiment malvenu que ce soit le président qui convoque les députés à la veille et investiture les députés à la veille et investiture. Donc, sous d'autres siècles on parlerait de corruption carrément. Je vais répondre à votre question. Naibite biloko nyonso zali ko condamné wana zoko ba sous d'autres siècles. Revenons na kati arsenal juridique na ya Congo. Constitution ya Congo, est-ce que zali ko pexa yango? Eza ko pexa yango te. So zan disposition o pexinga yango. Alors le président de la République azali ko sa la corruption moko te, azali ko sa le moko te. Il veut tout simplement nenge article 69 ya constitution. Il est l'arbitre. Il peut arbitrer à tout moment. Ba député bazali ko sa la partie ya corps moko ba bengi yango institution o ezali parlement. Oui, il a dit les caméras n'est pas inabisso. Donc le président de la République, étant le chef des institutions, il est capable, il lui est permis, dans ses prérogatives, à bien avoir un sur l'amboka. Là-bas, ils sont allés parler Congo. Ils ne sont pas allés parler. Le président n'est pas le chef des institutions. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas le chef des institutions. Ah, chef des institutions, tu. Il est le garant du bon fonctionnement. Comme tu peux le dire, ouais. Donc Azali na suprématie, si tu veux bien, na ba institution nyonso wana. C'est la première des institutions. Comme tu veux, Azali na suprématie, Baludi que par son arbitrage, l'article 69. Donc il peut arbitrer certaines choses pour amener tout le monde à penser Congo. Et c'est ce qu'il a fait le samedi. Très bien. Merci pour la correction. On dit que ça l'angango n'a répondu, n'a reconnaître, on a dit que par son arbitrage. Tout à donc fait. Il est l'institution suprême de la nation. Tout donc à la fait. Démarche qu'il a fait les samedis ou tous ces week-ends ne viole à aucun lieu, à aucun moment une quelconque disposition y a constitution. Très bien, merci. Alors, oui, allez-y. Papa, allez-y, concluez puis on passe à autre chose. On n'a plus de temps, allez-y. J'essaie, y'a moi le raconter. Bamanaï, faut tirer première question et puis tout avancer. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, nous avons dit que 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 nous avons
Ndekobelesiawa que ce gouvernement sera investi et les choses vont passer na vitesse supérieure. Ndekwa bimisa ono ba amoni soki ba mitukeza ko tambola na ba affiche et tout ça là c'est la présidence de la République ayebi ce qu'on appelle l'administration de la preuve. Ye makamwaza kolobawa ayebi ye moko akoya ko prouver yango soki si jamais ba yoko benga bi yakana no yako expliquer biso. Oyo allégué liboso ya télévision ne kozala ono baza ko acharner baza ko s'acharner na prince Pengé parce qu'il est opposant. Bon, il est opposant. Merci. S'il vous plaît. Alors, tozu maloba tozu ti mo pa ndekobelesi to ke na lombango penza po to bandaki na mois retard kaka ne bambouté jango sala rabino na nzela. Alors, to lobi boy, deuxième préoccupation likambo ya marche à la mouka. En fait, excusez-moi, je vais donner plutôt la parole à... Excusez-moi. Pour respect de procédure de communication, parce que c'est lui qui porte cette matière. Je vous en prie, c'est pour que la chose batte. Et ça, bon, c'est lui qui porte cette matière-là. Ndeko Epengé, effectivement, c'est toi qui dois nous dire, est-ce que d'abord, marche Nabino à samedi, Ezaki... si vous voulez organiser selon les règles ou les conditions requises par l'administration, est-ce que format qui besoin qui acquise des réceptions il y a hôtel de ville et marche nabino et les galakindeni parce que toi qui vous porter général Kassongo plainte lever la chose rapidement. Merci beaucoup de coup. Et en effet nous avons confirmé que l'avocat Nabisso... Vous avez deux minutes, hein, chacun de vous aura deux minutes. L'avocat Nabisso va nous préparer plainte. Nous avons déposé en la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons déposé en la Genève. Et lelo Kanyama... Okasu Kanyama, lelo Kanyama Zali. Oui, mais Oka Kanyama Zalaka. Azan, la police, c'est comme ça. Oui. Pour vous dire que... En français, on dit... Aujourd'hui, tu es roi. Demain, vous serez plus rien. Les puissants d'aujourd'hui seront les faibles de demain. Tout le monde doit savoir que tant on a proposé acte, on a tôt ou tard, et que c'est produit par conséquence. Le Dieu nous dit Bazako Lukaye, non? Le Kalev Yanel, Bazako Lukaye. Même ceux qui Bazako ça cinéma, j'ai à Yoyo, on a Kalev Bounabou. Un jour, croyez-moi, la vraie justice va s'installer. On dit que le temps n'efface pas les crimes. Et c'est l'autre nom de Dieu. Voilà. Le temps. Le temps n'efface pas les crimes. Parce que tout le monde va dire que c'est la violence. Je commence par le commencement, comme tu as dit. Marche Nabisso, je crois, le 17 avril, on avait saisi l'autorité urbaine à ce qui concerne Kinshasa. Parce que Marche, ils ont dans toutes les 26 provinces. Na Gemé, na Bakomaki, na Machaki. Na province orientale, na Kisangani, na Bakomaki, na Machaki. Na ville à Lubumbashi. Bref, vous avez rempli les conditions. On avait vous avez accusé Ngobila. Les réceptions. On avait saisi Ngobila depuis les 17, je me trompe pas. Ngobila, tu as coupé cette réponse de mon côté. Non, accusé des réceptions. Oui, on a l'accusé. Okay. Conformément à l'article 26 de la Constitution et le BT, pour informer l'autorité et la compétence, maintenant cette dernière va prendre des mesures y afférentes. Mais je vais vous lire maintenant la réponse d'Ngobila. Réponse. Non, s'il vous plaît, parle-nous non, ça. Non. Si tu as le je ne lis pas. Non. John Ndeko, moi, j'ai donné deux minutes, j'en ai conscient. J'en suis conscient. Je vais vous lire juste une incise. Oui, voilà ce que Ngobila dit. C'est important aux journalistes, il y a Kala. C'est Ngolo Yé, papa, c'est mon nom. Alors, Ngobila nous répond dans sa lettre. Voilà. Il dit ceci. Il dit juste une phrase que je prends. Au regard des instructions. Non, je dis, voilà. Il réagissant. Tout en louant les mérites de votre démarche, je ne saurais prendre acte de votre activité. Qui, au regard des instructions de l'autorité suprême. Il fait allusion à qui? Mais il y a combien d'autorités suprêmes selon la constitution actuellement au pays? Qu'il soit un président de fait ou un président élu. Au regard des instructions de l'autorité suprême, Ngobila interdit la marche. Ça veut dire quoi? Félix Ngobila a reçu les instructions de Félix Tshisekedi pour interdire la marche. C'est ce que la lettre dit. Ça dit que nous sommes dans ce pays. Et rappelez-vous, la première marche de la Mouka, Félix s'est permis devant les chaînes internationales de dire
on lui a posé la question. À la question lui posée par les journalistes, la Mouka a organisé une marche. Félix a dit il partage l'interdiction de la marche par le gouverneur de la ville. Et aujourd'hui, le gouverneur de la ville dit que, égard aux instructions de l'autorité suprême, j'ai interdit la marche. Alors que la Constitution dit, à son article 26, si vous organisez une manifestation, écrivez pour que l'autorité prenne des dispositions pour vous encadrer. Mais si je fais l'analyse comparée, vous êtes journaliste ici, un vieux routier de la presse congolaise. Augustin Kabuya a organisé, à moins de un mois, 4 matinées politiques à Kinshasa. Les Wewa d'Ali de Pesse font des marches sans écrire à l'autorité. Bah, comment attendre qu'on a mon autorité à ville? Bah, Wewa y de Pesse va commencer à marcher, c'est qu'à tout balingi. Bah, Wewa y de Pesse va salir marche, va qu'on vous qu'à parlement. Bah, Wewa y de Pesse va salir marche, va qu'on bête va député. Là, c'est normal. Normalement, je vous parle au guise de Kabuya Zana, bah, Congoise, ça va meeting. Là, autorité suprême, Yango Bila interdit. Mais quand la Mouka fait une marche, peut-être le bien. Que marche Nabiso, tu vois les drapeaux que j'ai ici, c'est. Enfin, les drapeaux. Je l'ai pourquoi? Parce que nous avions dit que, oui, les alliés présidiaux Malamouka, le véritable président du Congo, Martin Fayulu, et le coordonnateur de la Mouka, Adolphe Mosito, nous avons initié marche en solidarité à Bandeko Nabiso, en solidarité à soutien à Bandeko Nabiso à Est, où on va massacrer chaque jour. Na 2 ans et demi à Félix, va massacrer 4000 Congolais à Est. Ba catholique, il va lobby rien que dans la ville de Abouya, 2000 Congolais assassinés. 3000 maisons brûlées, des milliers d'enfants kidnappés. Et te lobby, là où l'armée a échoué, là où la police de Félix a échoué, au moins qu'on fasse sortir les peuples. Mais pourquoi Félix envoie la police pour réprimer? Les images sont là, je vous les laisse. C'est pas si vos jeunesse, c'est sur les terrains. Quand vous avez des pèses, vous avez dit que vous avez rappelé. Vous avez promis d'installer l'insécurité pour que Félix ne dirige pas. Maintenant qu'il y a insécurité à Goma, ça devrait logiquement vous satisfaire. Faux et archi faux. Kiliché, moi je prends l'engagement de payer l'argent à votre chaîne qui l'amène seulement à la vidéo. Vous avez dit ceci. En fait, c'est comme on dit en français, l'homme prudent voit le mal de loin. C'est un peu comme en météorologie, dans le service de météo. Un météorologue a zoaka la prévision, pression de l'air, Température. La température, la direction du vent. Et il vous prédit que non, il va pleuvoir dans 5 ou 6 jours. Nous sommes au 21e siècle. Ndekotozana vit là-bas Kwangate en 1935. Là, un météorologue peut vous dire dans 6 mois, il y aura pluie dans tel coin du pays. Mouzito, un scientifique. Non, mais météorologue, ça les cara un mois. Non. Pas dans 6 mois. Non. La NASA peut vous dire non. Que tel. Non, c'est vrai. Vous parler de la météo. Non. Météo, les cara un mois. D'accord. On est venu créer les cara un mois. Non. S'il vous plaît. Vous ne savez pas à qui vous parlez. La météo. Je suis de cette formation-là. Laissez-moi. On est comme une climatologie, mais on m'a ramassé. Non, restez dans la météo. Météo après sa prévision tout au plus non, un mois. Non. Oui. S'il vous plaît. Allez-y. Oui, débat scientifique, nous non, mais pas la science alors. Ouais. Pas la science. Quand les lanceurs, ceux qui ont lancé les fusées aériennes, quand ils veulent lancer les fusées, les prévisions vont au-delà de 6 mois, largement au-delà de 6 mois. Je parle en termes de prévision. Mais la précision maintenant, c'est ce qu'on appelle la proportion. En ce qui concerne les équations mathématiques. Au bout d'un mois, la marge d'erreur, elle est très minime. Mais au bout de 6 mois, on parle en termes de prévision. C'est-à-dire, il y a une probabilité. Probabilité, c'est quoi? C'est le nombre de chances, c'est le nombre de possibilités. Donc, si vous parlez de France, vous voulez qu'on parle de science, je vais parler de science avec vous. Je reviens maintenant à ma question. On aura un débat spécial avec vous l'autre jour. Mouzito avait vu. Félix est ici. Félix est un président illégitime. N'était pas porté par le peuple. S'il vous plaît. Oui, c'est coquille, hein. Non, je chute. N'était pas un président légitime. N'ayant pas été préparé à diriger le Congo, n'ayant pas une vision claire pour le Congo, il n'amènera absolument à rien. C'est comme ça qu'il avait dit. Que étant donné qu'il est dans un mariage contre-natif avec Kabila, à tout moment, il y aura des querelles. Très bien. Il y aura instabilité. Oui. Aucun investisseur sérieux. Non, s'il vous plaît.
Aucun imbécile. Non, non. Je vais balayer l'investissement. Moïse te n'a jamais dit qu'on va semer le chaos. Il avait dit que Félix s'était mis dans une alliance contre Nathalie avec Kabila. Il y aura des querelles chaque jour. Oh, là, je n'aime pas le bruit. Okay. Et personne ne viendrait dans un pays. C'est merci, que moment, on a compris. Se battre. Très bien. C'est comme ça qu'il avait dit, au regard de ce mariage contre nature, il n'y aura rien de bon. Il a fait une prévision. Et aujourd'hui, là, tout le monde donne raison à Moussito. Merci. Très bien. Non, s'il vous plaît. Je ne parlais pas la fin. Pour le bilan, pour le bilan de la marche. Pour le bilan de la marche. Il ne quoi pour le bilan de la marche. Oui, vous l'avez donné une prolongation, moi une minute pour le bilan de la marche. Alors, vous dites que c'est moins que vous, s'il vous plaît. Le bilan de la marche. S'il vous plaît. Oui, rapidement. Le bilan de la marche. Vous dites que Ndekoji, c'est la première fois que je vois un seul agent de service de sécurité en billet en tenue des policiers et à l'intérieur tenue de la garde républicaine. C'est la première fois que je vois ce bilan. Un policier arrêté un militant de la Mouka. Et c'est un homme de peste qui tabasse. Donne-nous le bilan. Non, pour l'instant, nous avons à peu près 20 de personnes qui jusque-là sont aux arrêts. Et les blessés, comme on dit, télévision, ils allaient radioter. Je vous laisse toutes les vidéos. Parce que je vous convie. Papa. C'est pourquoi je vous dis, je vous convie au point de presse. Je ne vais pas parler en place du président, mais de la D'accord, Mouka. Merci. Je vous convie au point de presse, très probablement qu'on va dans cet après-midi, pour vous donner le bilan général. Mais vous avez certainement suivi comme journaliste les rapports du Bureau Congé des Nations Unies. Je l'ai dit dans l'introduction. Voilà. Ouais. Ces rapports-là qui a dit qu'une répression disproportionnée. Okay. C'est comme à l'époque de Kabila. Merci bien. Et nous, nous ne pouvons plus accepter cela. Jamais. Ndeko Kata, s'il vous plaît. Nekobele si pesa makansinao na marche wana et puis surtout zonga toke na lombango makamba beni bana balobi ba kolongwa liboso ya mérite na titi na bango timo ko ndamboka oya ne bango ba zonga classe votre avis là-dessus. Je sais, vous devez également équilibrer cette émission. Parce que j'ai l'impression comme si au Pessi Bandekolangami Balo et Maloba Ming. Alors, je disais tantôt ceci. Je veux dire ceci. Mais permettez-moi. Alors, je veux dire ceci, monsieur. Je sais, ce qui est vrai, c'est que le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Ça, c'est où ils allaient prévu dans Katia Mobeko. Mais moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de la Mouka. Parce que en fait, j'ai suivi, j'ai regardé le but poursuivi. Il y a Marchouan. Je pense que ce qui se passe à l'est du pays, il n'y a aucun Congolais Azali d'accord avec ça. Et ceux qui sont congolais, d'ailleurs, moi j'aurais bien voulu que toute la République se manifeste pour nous soutenir, pour manifester solidarité dans Bissau, dans Bande Kouna Bissau, Oyo Azali Koukoufa, dans l'est du pays. Là, j'en suis d'accord. Nabi poursuivi, il y a marché à Namouka. Ok. Parce que peut-être, il y a un propos, et c'est ça l'argument que vous servez avec ça, monsieur Manaï. C'est une honte pour les personnes. Non, mon cher ami. Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, aujourd'hui, le pouvoir n'est pas capable de gérer Mboka. Que si un individu comme Mouzitu, n'a pas propos de Nakiwana, et vous accrochez là-dessus, pour le Bakano, oui, il a dit ça, et il ne peut pas. Que manifester solidarité dans le peuple de l'Est, non, ça n'a pas de sens. Et le fait de manifester, cela ne constitue pas une insécurité dans Katiamboka. Non, pas du tout. Donc, M. Bamanaï, il faut gravité à ce qui se passe à l'est du pays. Je vous ai dit ici que tout Congolais, là où il est, il faut tout tamboula pour dire non à ce qui se passe à l'est du pays. Parce que ce sont nos compatriotes qui meurent chaque jour davantage à l'est du pays. Et moi, je vous ai dit une fois ici, je sais que lorsque j'aborde cette question de l'Est du pays, j'ai des larmes qui courent dans mon cœur. Parce que nous, ici, qui était ça,
toujours mesuré la condition dans laquelle nos compatriotes baso vivraient et surtout les lobes comme elle va tellement pour marcher beaucoup pour réprimer bango pour quelle raison. Je dis mais par rapport au bis elle m'a poursuivi. La France que Prince Epengue nous a lue venant de l'autorité urbaine, comment vous interprétez mais c'est grave. Quelle autorité suprême? Donc aujourd'hui, et peut-être je vous ai dit ici que non, les droits de manifester sont constitutionnels. Peut-être que ce qui procédait, c'est là qui suivait. Mais cette marche-là, c'est une marche noble pour l'engagement, je sais. Une marche noble. Donc normalement, Bandekoué, mais il y a eu deux pèses. Tout le monde allait appuyer cette marche-là. Pour que l'on non à ce qui se passe à la suite. Parce qu'on a toujours évoqué un élément important ici. Il y a élève au bas de la cité au niveau est du pays. Babou qui est une classe. C'est un message qui interpelle le président de la République. Babou va aussi là. Parce qu'on peut tout dire, je sais. C'est que nous savons tous. Je ne peux pas rappeler ça. Ma promesse, mon cousin, c'est là qui va faire des tests. Est-ce qu'il y a tout rappelé à moi? Non, nous savons tous. Tant que nous avons mis que la cité qui va mon président de la République dans l'est du pays. Mais il y a un problème à ce niveau-là. Et surtout le lot aussi, je sais, que ma gêne, ma komikozoa, de l'Albaka, l'autoprise en chien, il y a qu'on l'anda, ma groupe d'armées. Avec les armes blanches. Là, ça signifie qu'il y a l'absence totale de l'État. C'est de nous interpeller. Allez-vous d'abord les casquettes, yaba, oh, nani. Non, parlons d'abord comme moi, donné, je sais. Et ça m'intrigue lorsque Nao Kandekouba, Mana Yazolinga, appelle ça un argument. Qui sous-tend que parce que Mouzut avait dit ça, donc non, ce n'est pas. Concluez. C'est pour vous dire ceci. Je sais que tout nous voulons que cette question, ils la traiter de fond en comble. Pour que Bandekounabi soit à Est, va retrouver paix. Nassina Ibsen, une fois, Wandeko, je sais que tout le baka toujours en termes, il y a pas statistique. Parce que ce qui est vrai, il y a la recrudescence. Il y a un mouvement et groupes armés à l'est du pays. Nous sommes passés de 46 à 167 groupes armés. Est-ce que nous devons fermer la bouche par rapport à ce qui se passe? Merci. Nous devons nous taire tout en blaté. Non, je merci sais. Merci beaucoup. Donc, il est de bonne loi que nous, ceux qui nous gèrent aujourd'hui, va prendre conscience. Et surtout, pour interpeller Mokoundia Mboka, Lali, chef de force de l'autorité suprême. Donc, il faut qu'il y ait. Parce qu'il y a une alliance. Contre l'armée et kenyane. Avec l'armée kenyane. Pour voir que nous bondissons ça. Rebelles. Ouais. Tous les groupes armés là. Voilà. Je pense que c'est une bonne initiative. Pour l'Angaï, ce n'est pas une bonne initiative. Oh. Pourquoi? Parce que du point de vue. Oui, c'est... Allez-y. Oui, continuez. Terminez par là. Oui, je sais. Voilà. Ouais. Parce que je sais, armée kenyane, je ne suis pas contre l'armée kenyane. Mais seulement. Il ne faut pas que tous aient toujours l'habitude y a côté sur les autres. Parce que les autres ont la plus grande force des Nations Unies, la MONUSCO. Il me semble, quels sont les matériels Oyo, armée kenyane, dans un les cas MONUSCO. Voici la vraie question. Et puis quelqu'un fait l'analyse, il dit que selon, comment on appelle ça, répertoire, il y a la force armée, RDC, tout ça, 11e, oui. L'armée kenyane vient juste après nous, 12e. Ah voilà. Alors, vous voyez tout certains ça. Certains ont estimé que vous voyez Robin Garneuza, vous voyez performance. Vous voyez tout ça, ce sont les vraies questions. Oui. Et nous avons vu, je sais. Le meeting aérien ici, bien sûr, avec des avions de chasse. On a invité. Merci, on a pas d'assise à part de jeu. On a invité. Quelle était l'utilité des avions de chasse? On les a qui pour l'année. Donc c'était une manœuvre. Les a qui pour le tourisme. Voilà, les a qui tourisme avec ça la bouteille. C'était juste. Vous voyez, je sais. Makanisa Mukonza Mboka, je sais. S'il vous plaît, il n'a jamais dit qu'à Open Gaba Kenya, le lobe à Kenya. Bamanaï, vous avez la parole. S'il vous plaît, vous avez déjà vous avez dit tout ce que vous avez dit. Bamanaï, vous avez tiré l'émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Dans vos 5 Nanayo, on peut essayer 4, 5 minutes. Premièrement. Deuxièmement, Nako Senganayo, que pendant que Nana Zoko va protéger Ngaï, que ces deux ici. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Alors, Bakatangaï. Il n'a coupé personne, Botique Pessis. Alors, il y a qui a
répondre moko. D'abord, je suis très content de se retrouver dans deux oiseaux de même plumage. Donc, PPRD, vous êtes très mal placé pour nous couper sa leçon à Katia Mboka Oyo. Guerre à Est et Bandina Bino. Bossili Sayangote. Vous avez multiplié des groupes armés, les gens qui ont. T'as là. C'est depuis nos accords. S'il vous plaît. Bandakimia. Je ne t'ai pas répondu. Il n'a coupé que sur le petit carré. Alors, Zala vraiment poli, Jean-Pierre, vraiment Lilo. Ceux qui ont vraiment dingue, on a eu milieu. Non, comme on a eu besoin d'envoûter dans le bateau à la Moukabo. Il n'y a pas de problème. Ils ont besoin des oiseaux de même plumage. Ils ont besoin de l'opposition. Ils ont besoin de l'opposition des façades. Mais si on continue à vivre l'opposition, puisque les bossons ont encore s'habillé, ils étaient avec Kabila, mais maintenant, ils ont. Alors, na ko répondre à Jean-Pierre Bélessi. Na makambo tali sécurité na Est. Makambo d'abord on nyonso zali ya sécurité ya mboka et zali matière moko za hautement stratégique. Donc on ne peut pas se permettre d'aller raconter n'importe quoi n'importe comment. Makambo balobi kwa na Angola, Angola ya yaki awa manœuvre militaire sala makio na meeting balobi meeting aérien ba document ya ki signé. On n'a pas besoin ko révéler babilo ko na zala na Jean-Pierre et zala na famille na bango. Ce sont les secrets tali défense ya mboka. Na makambo o tali armée kenyane pour kota na Est, papa, nous voyons la position géostratégique. Vous comprenez? L'Angola pour l'ongwa à matati kuna, à ko sala yango c'est fort possible. Mais nous voyons la proximité. Vous comprenez? Et n'engata kolbake armée kenyane ezali côté 12e après Bissau. C'est une bonne chose, mais néanmoins c'est une armée organisée. Notre armée congolaise est tellement infiltrée dans le modèle à Kosakanate. Vous allez me permettre, je prends le risque de dire ceci. Na otanga komba mokonzi wanate. Il y a armée. À l'époque, il y a Kabila, à Kendaki na Est, à gérer parti moko ya Est kuna. À Zala qui soka bengi bato Monisco, balobi toko attaquer mardi. Le loto zane ti vendredi, toko attaquer mardi. Le loto lundi. Le loto attaquer mercredi. Bon, tocha neti, bon, toza le loto lundi, albi toko attaquer vendredi. Jeudi, pardon, jeudi déjà beaucoup ta ba rebelle basi ba kimi. Ba tenir réunion na Monisco plus de deux fois et salami bongo moko musu so la moka boye, ba solo le toko attaquer mercredi bazaki vendredi. Dimanche protocole malendi ba kiti ba frappé ba kutanini ba bouteille ya Monisco ya maya komela ba tenue ya Monisco minduki logistique ya Monisco Monisco ye tomboke tomboke bino non moi nani prévu moko salama ki yango wana to betaki ba arrêter le réunion mususu to ko attaquer vendredi nuit ya mardi à mercredi ba bimba frappé du susu. Donc les rebelles n'ont pas il ba sali yango trois fois malheureusement. Donc Monisco a complice ya ba rebelles papa ba dai ko kutaka ba équipement ya Monisco na place ne pas peur de mots. Alors c'est pour répondre ndeko na malheureusement la général la sala kana mbutu ba boma payé ozoka au même titre que ba Mamadou Ndala o ba sala ba exploit kuna pour ce généraux nyonso to peu officier militaire nyonso a sala succès kuna na Est pour le bien de la République asuka na kokufa tozana ba Mamadou Ndala tozana ba général Bauma wana to tie yango à côté na lingi siko na zonga na répondre na mutuna oyo ya makambo ya marche. Je crois on était en train de parler na makambo ya marche ya Lamuka et surtout beaucoup plus na préoccupation ya ndeko Jean-Pierre Bélessi oyo alobi ke ngai nazako ko s'accrocher na likambo yo mozito asala ki déclaration na TV5. Je l'ai dit ouvertement mozito sur TV5 qui n'a pas parlé en termes de prévision alubaki bako bloqué. Donc ndeko ya mozito na ebite soala na ke formation abaki bako bloqué n'a pas parlé en termes de prévision abi to ko empêcher. Mais c'est lui qui vous a bloqué. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous avez parlé ici, c'est moi je vous ai dérangé. Ne répondez pas, parlez, vous avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Alors, oui, vous reste une minute. Baloba qui va vous bloquer, papa, il y a 2 minutes. Une minute, nous allons conclure. Baloba qui va vous bloquer. Parlez. Vous allez pas me mentir. Baloba qui va vous bloquer. N'ayant pas obtenu gain de cause, Bakumi Koya Kumi Kanga, Nabanzela Yaba marche ya Makambo Est. L'idée, Ndengo Nazalina répondre de Jean-Pierre Bélessi ici. L'idée ya marche est ali mauvaise. Mais l'objectif poursuivi, l'idée, donc, on les a cachés dans le ciment. Ils ont yangoté. On sait que Batouaza Kobi Misterabino, au moins. Mais toi, tu n'es pas dans les secrets de la Mouka. Comment on va? On connaît ces gens, ce sont des mafieux, des grands magouillères à Kosakanate. Ah bon? C'est que, nani, comment on appelle ça? Vous allez m'excuser, j'utilise des mots durs. Bah, téléspectateurs, au bazola nangai bolim bisangai, mais je préfère dire ce qu'il y a exactement. Ce sont des gens, des margoulins, des malhonnêtes. Sur le plan politique, quelqu'un comme Mozito, quelqu'un comme Adolphe, n'ont aucune leçon, il y a copé ça dans ma congolais, et ils n'ont aucune bonne proposition. Ndenge ndekwa lobia wakeno,
idées ali bon moi n'avais d'accord mais il faut toyer ba ningeni ya ko sel la très bien le problème il y a insécurité na est et la république et ali ko concerner ba congolais nyonso mais nous ne sommes pas dans la jungle pour que Makambo et Salama comme si on était dans une république bananière. Voilà. Tout doit être bien coordonné et le président de la République dans les jours à venir, je vous dis papa, la main sur cœur na likolo ya plateau na yo, c'est dès ici et leur mentor politique qui les envoie changeront de langage, ils vont chercher Makambo sous bafoune de la bafoune de la Félix. Non, d'ailleurs, ceux qui a réussi, ils ont voulu. Donc, voilà. Prenez tout votre mal en patience. Tout ce que vous avez vu, un chef de l'État qui vient attaquer. Nous avons dit.